En tête, attention, jeune junior, il va très vite au sprint. Le passage à 10 tours de l'arrivée. 10 tours, 2 tours, 2 tours de l'arrivée. Et c'est lui qui emmène au cœur. Voilà, avec le maître en deuxième position, avec Julien Chapitre et également Christian Le Breton en troisième position. Et c'est toujours Jean-Louis Lenis le junior qui emmène. Le passage à la mort, c'est du dernier tour, du tour de l'arrivée, du tour. Voilà, derrière Stéphane Clément, Morin et dernier passage sur la ligne. Allez, dernier tour, on les applaudit bien fort. On les encourage, prochain tour, c'est l'arrivée. Le troisième, le peloton deuxième, ce sera dernier tour également. Allez, on les encourage, 15 secondes. Stéphane Clément, le champion Morin. Prochain tour, c'est l'arrivée, les gars. Dernier tour aussi pour vous les gars, avec le passage de Thierry Gallès pour le dernier tour. Passage prochain tour, c'est l'arrivée. Dernier tour pour le peloton. Allez, on les encourage, peloton, dernier tour. Prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, c'est l'arrivée. Lionel Lecoeur, avec le passage du peloton. Dernier arrivé sur la ligne. Voilà, c'est l'arrivée maintenant pour les hommes de tête. Dernier ligne droite, ils sont là tous ensemble, avec Chapitre qui lance le sprint, avec Julien Chapitre vainqueur, Guillaume Lefouet deuxième, troisième Jean-Louis Lenis. Attention, c'est l'arrivée sur la ligne, Julien Chapitre vainqueur, Guillaume Lefouet deuxième, et troisième premier junior, Jean-Louis, donc Jean-Louis Lenis, attention, il y a des cours qui terminent encore. Julien Le 8-12 franchit aussi la ligne d'arrivée, un petit peu plus loin de Thierry Gallès. On fait de même, attention à l'arrivée pour le peloton, c'est l'arrivée. Voilà, belle victoire en tout cas de Julien Chapitre qui s'impose au sprint de formelle manière. On savait qu'il allait vite avec la belle pointe de vitesse sur le cours de Planquette. Victoire de Julien Chapitre, deuxième Guillaume Lefloc, troisième Jean-Louis Lenis et le quatrième évidemment.